Les partis de l'opposition ont décidé d'aller en rang serré aux élections législatives du 6 mars 2021. Dimanche 10 janvier marquait la fin du dépôt des candidatures au niveau des différents partis politiques. Depuis ce lundi 11 janvier 2021, devraient commencer les arbitrages pour s'achever le jeudi 14 janvier. L'opposition veut tout mettre en œuvre pour finir les arbitrages avant le 20 janvier. Selon certaines sources, il ne sera pas forcément suffisant pour un candidat d'être retenu au niveau de son parti. Mais il s'agira, pour les plateformes des partis de l'opposition, de choisir celui qui peut faire gagner dans une circonscription donnée. S'il y a trois candidats par exemple, c'est celui qui est sûr de faire gagner l'opposition qui sera choisi. Qu'il soit PDCIRDA, FPI, UCI etc. Autrement dit, les opposants ne feront pas la guerre entre eux pour gagner. Et tout candidat qui se dira indépendant mais issu d'un des partis de l'opposition sera considéré comme un candidat RHDP. Puisque l'opposition qui part en rang serré n'admet pas d'indépendant. Mieux, selon nos sources, après le choix des candidats, les plateformes des partis de l'opposition entendent mener des missions de sensibilisation mixte pour emmener leurs militants à ne pas se tromper et à faire le bon choix.